In this lesson, we will see together the prepositions, but more precisely, à travers les yeux de. So, of course, the first thing that we need to see together is what is une préposition? Well, a preposition is an invariable word. Which brings two words together. The second word is called complement and it allows to specify the time, the cause, the place, the state, the manner, the purpose, or the matter. The second word can be another noun, a pronoun, an infinitive verb, or an adverb. And last but not least, remember that this complement can also be a sentence. So, this lesson is about A travers les yeux. de and the preposition à travers les yeux de can be translated into through the eyes of or from the perspective of in english so we'll see four examples with à travers les yeux de à travers les yeux de l'enfant le monde Paraît merveilleux à travers les yeux de l'enfant le monde paraît merveilleux le réalisateur nous invite à voir le film à travers les yeux de son personnage principal le réalisateur nous invite à voir le film à travers les yeux de son personnage principal. Nous découvrons ce paysage à travers les yeux de l'artiste. Nous découvrons ce paysage à travers les yeux de l'artiste. À travers les yeux de l'historien, nous revivons les événements marquants du passé. À travers les yeux de l'historien, nous revivons les événements marquants du passé.